Hello, hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue aux nouveaux abonnés et un grand merci pour votre écoute, votre fidélité. Je suis très heureuse de vous retrouver pour la guidance Message des anges. Si vous désirez être au courant des différentes prestations que je propose, vous retrouverez sous la barre d'information de cette vidéo mon adresse mail. On va commencer avec l'oracle, la ronde des anges. J'adore cet oracle. Il est voilà, assez original déjà de par la forme des cartes. Allez, quel est le message pour aujourd'hui? Alors peut-être que vous entendrez la pluie sur la roulotte. Alors, on a l'ange numéro 10. On a un ange très lumineux, très très lumineux. Alors, l'ange numéro 10, c'est l'ange de l'espoir. C'est magnifique. Alors, prenez cet espoir, j'ai envie de vous dire, en pleine figure. Laissez-vous imprégner, laissez-vous porter par cette sublime énergie, l'espoir, la foi. Le soleil est toujours derrière les nuages de ton mental et de tes peurs. Souffle, tu verras ton soleil réapparaître. Garde espoir, te dit l'ange, chéris-le. Reste conscient de tes pensées et croyances, dissous celles qui ne nourrissent pas l'espoir, car l'espoir attire le meilleur. La science quantique a confirmé ce que les sages savent depuis des éons. L'attention crée. Garde tes pensées et tes projections positives afin de recevoir en retour des bénédictions de la création. Vos pensées sont créatrices. Gardez l'espoir. Même dans les moments les plus difficiles, je sais que c'est compliqué, mais gardez l'espoir. On va prendre un message de l'oracle de l'ange gardien. Allez. J'espère qu'il fait beau chez vous, en Provence, oui, il pleut. Il fait frisquette un peu quand même. Mais bon, la terre a besoin d'eau. Donc, on accueille avec beaucoup de gratitude. Alors, waouh, waouh, waouh. On a l'ange du succès. On a ça vibre parfaitement avec l'ange de l'espoir. On vous parle d'un succès, d'un bonheur qui arrive à vous. Alors, ne perdez pas l'espoir. Soyez confiant. Et juste derrière, on a l'ange du pouvoir, le Superman ou Superwoman. Oui, vous êtes des super-héros. Oui, vous avez ce pouvoir de créer votre vie. Oui, vous avez ce pouvoir d'accéder à votre propre bonheur. Reprenez votre pouvoir. Vous avez cette force, cette capacité, cette détermination, cette résilience qui se manifeste au travers de l'espoir, au travers de la foi, peu importe vos croyances. Vous êtes ces super êtres de lumière. Ok. Bon, en tout cas, de toute façon, ça ressort souvent en ce moment dans les guidances. On nous parle de récompense, de bénédiction après ces énergies extrêmement puissantes que l'on traverse et quasiment non-stop depuis septembre. Hein. Ça s'enchaîne et c'est pas terminé. C'est pas terminé. On va prendre alors quelques cartes de l'oracle Divin Ange. Il y a quelque chose de beau qui se profile à l'horizon.
parce que vous avez fait preuve de force, de détermination, même si des fois vous avez baissé les bras, même si des fois vous en aviez ras-le-bol, et j'ai ça en ce moment aussi en guidance, hein, accueillez au maximum. L'espoir revient, la lumière revient toujours. Allez, on vous dit de prendre soin de vous reposer, de prendre soin de votre santé. Vous devez être votre priorité, peu importe ce qui se passe autour de vous. Bon, eh bien, pour certains, on a une grossesse en vue, un petit être de lumière qui va pointer le bout de son nez. Alors, pour certains et pour certaines, là, on vous dit oui, ce que vous désirez au plus profond. Peut-être que vous vous battez pour être enceinte depuis un bon moment. On vous parle de l'espoir, on vous parle de succès, on vous parle de grossesse. Alors, de manière plus générale, on nous parle de quelque chose là, d'un nouveau projet, d'un déménagement, d'un nouveau travail, d'une nouvelle relation. Il y a quelque chose là qui est en gestation. Acceptez en ce moment peut-être de ne pas être aligné. Et au vu des énergies actuelles, c'est un peu normal parce que ça nous montre ce que l'on a à travailler. Et il ne faut pas vous culpabiliser pour ça. Donc peut-être travailler la méditation, allez vous ancrer. Prenez conscience de ce qui vous décentre, justement, et la clé, c'est revenir à vous. Est-ce qu'il y en a une troisième ou pas? Oui. On vous dit oui, il y a mieux qui vous attend. Alors, pour certains, ça va être des choix. Les choix, les nouvelles directions ressortent énormément en ce moment dans les guidances. Et oui, vous méritez le meilleur. Et c'est vous qui allez vous l'offrir. Par des choix, par des actes, par des positionnements. Et on vous dit vraiment, là, en ce moment, soyez focus sur vous, harmonisez vos énergies. Faites des soins, allez vous recharger, coucounez-vous, chouchoutez-vous. On va prendre quelques cartes de l'oracle de la sagesse des anges. Pour aller voir un petit peu plus au niveau général. Soyez vraiment dans l'accueil au maximum en ce moment par rapport à ce que vous vivez. Autorisez-vous. Alors, bon, on est beaucoup dans les émotions, dans les eaux. Là, on a deux personnes qui se tournent le dos. Une énergie masculine et une énergie féminine. Là, le message que j'ai, c'est malgré cette séparation dans ce couple, malgré les conflits actuels, on vous dit ne restez pas dans le passé. Pour certains, il est temps de tourner une page, il est temps de passer à autre chose, il est temps de vous permettre une nouvelle rencontre qui vibrera beaucoup plus avec vous. Et en dos de deck, on a la carte du 1, donc un nouveau départ au sein d'un couple, une opportunité incroyable. Donc, il y a également là, pour certains d'entre vous, malgré ces conflits, il y a une réconciliation. Vous allez trouver des clés. Le tout, c'est de communiquer, de ne pas rester chacun sur vos positions. Il y en a un des deux
qui doit revenir à la communication, qui doit briser la glace. Alors oui, c'est pour ça qu'on vous dit soyez audacieux. On va prendre quelques cartes de l'oracle, le tarot des anges, de l'amour. Allez. Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Quel message pour vous? Bon, on vous dit très bientôt, vous allez accéder au succès. Mais ça va passer par des choix, par des positionnements, par un renouveau, par des séparations, par des explications. Décidez exactement de ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. On vous dit là de garder l'espoir, mais ça va peut-être vous demander de passer à l'action, d'être audacieux, audacieuse. Bon, pour certains, c'est ça, on a bien une séparation là. Il est temps de partir, il y a quelqu'un de mieux qui vous attend. Ouais, on vous dit, vous méritez d'être passionné dans votre vie. Vous méritez une histoire qui vous fait vibrer, qui vous fait vous sentir vivant. Pour certains, là, il y a une nouvelle rencontre qui va être passionnante, qui va vous donner des papillons dans le ventre. Ouais, là pour certains et certaines d'entre vous, hein, on vous dit bien qu'il y a une nouvelle rencontre. Hein, parce qu'on vous dit là, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Pour d'autres, hein, c'est le retour de flamme, le retour de la passion après un moment de séparation. Alors il y a plusieurs messages. Prenez uniquement ce qui vibre en vous, écoutez vos ressentis corporels, écoutez votre propre guidance. On va prendre l'oracle des réponses angéliques. Alors, concentrez-vous sur votre question. Peu importe le domaine, si ça concerne le domaine sentimental, concentrez-vous, visualisez cette personne, visualisez ce que vous désirez, si c'est un déménagement, peu importe. Allez. Bon, on vous dit bien que la situation va s'améliorer, quoi que vous traversiez en ce moment. Faites confiance, gardez l'espoir. On vous parle de succès au bout du chemin, quelle que soit l'issue. Quelle que soit l'issue. La situation va s'améliorer et on vous dit bien, de grands changements positifs arrivent à vous. On va prendre alors une carte du souffle des anges. Allez, quel message? Activez votre joie intérieure, créez votre playlist de musique, branchez, écoutez, riez et dansez avec votre enfant intérieur. On vous dit là de vous rebooster avec de la musique, peu importe votre style. Dansez, bougez, imprégnez-vous de good vibes là, de musique qui vous donne la patate, qui vous donne du peps, qui vous donne envie de bouger, qui vous rend punchy en fait. On va prendre un message du petit oracle des anges. Bon, ben c'est ça, hein, la foi. Gardez la foi.
Ne perds pas la foi, les nuages vont bientôt s'éclaircir et le soleil va briller de nouveau. On vous parle encore de changement qui est nécessaire pour aller vers quelque chose de mieux, de plus grand pour vous. Alors, accueillez ce ou ces changements. Et on va terminer par mes petites prières aux anges. Allez, quelle prière, s'il vous plaît? Bon, on vous parle de la joie. Mes anges, merci de me reconnecter à la joie pour ressentir dans toutes les parcelles de mon être cette envie de vivre qui s'est envolée et doit reprendre sa juste place. Que la joie ranime toutes les cellules de mon esprit. Que la joie s'impose dans mes relations, mes activités, mes amitiés et mon travail. Que la joie revigore de nouveau mon âme. Je suis la joie, je mérite la joie. Soyez vivants. Soyez joyeux, rayonnez, éclatez-vous, éclatez-vous. Voilà pour cette guidance. Merci infiniment de votre confiance. Je vous embrasse. Croyez en vous, vous êtes les magiciens de votre vie. Bye bye!